It's a pleasure to be part of this interesting, provocative conference. I regret a little bit having to break up the intense conversations that have been taking place during the brief break, but we have three terrific presentations lined up for this next session. So I'll be severe in my timekeeping, and in order to make sure that we don't stand between you and your lunch. So we'll, please. So hello, everyone. I'm very pleased to be here today. Given that this is an international conference, an attempt at linguistic balance, and also not to torture people putting off their headphones on and off, I'm going to tell you I'll do the first part of the presentation in English, and then I'll go to French for the second part. As I said to somebody at the break, don't worry, all the juicy parts are going to be in French. Those are the research results. So I need to start this presentation with a proviso. Just please take everything I'm going to say in the context that I personally think that psychological harassment in the workplace is a real and important problem that causes important damages to workers. And I also think that unions should help their members when they're in trouble, whether it's because of psychological harassment or any other problem at work. So just and that they are uniquely situated to do so. So just keep that in mind with everything I'm going to say today, please. One more thing, none of what I'm going to say is going to make sense unless you have in the bottom of your mind the fact that in Quebec we have the North American model of labor relations, so there's a monopoly certification of the union. One union is going to be certified for a bargaining unit which will comprise workers having a community of interest. So, and then that union becomes the sole bargaining agent and has a monopoly on representation of the people in that unit. So you can have several bargaining units in a one place. For example, at UQAM, the profs will be in one unit, the support staff, the professionals in another. But the union has a duty of representation to all members of the bargaining unit, whether or not they're members of the union, and there's automatic dues check-off, so money goes to the union from everybody's paycheck. So just keep that in mind for our friends from Europe. So the general context for union action, as I'm sure you all know, is working in a headwind. Unions are working in a context of neoliberal, pro-market, economic, social policies. There's been a decline in union density in most of the OECD countries. So we are talking a lot about union renewal and how to come up with union strategies to better defend and represent workers' interests through unions. The situation in Quebec, though union density hasn't declined as much in other countries, is much the same. My colleagues at the University of Montreal did a study a few years ago on union renewal, and they concluded in a general way that we are looking at a reduction in unions' strength and union power in Quebec, and also a diminished capacity to maintain, let alone improve, working conditions. In the same study, the researchers from the University of Montreal looked at what factors contribute to unions being dynamic, to unions being more effective regulators of working conditions and being able to represent workers' interests more effectively. And they came up with some results. Well, it depends on internal and external resources. So how many times you have an assembly, who gets release time, and in terms of external resources, well, did you take an active part in the governing bodies of your union federation, access to specialized services. But the result that I found the most interesting for the reflection that I'm going to talk about today is the fact that unions that were really on the ball also were concerned with broader social policy. If we try to get a more multidimensional take on that, Barbara Pocock has talked about gender and union renewal, and she added to this portrait that it's important to look at the fact that today, for example, in Quebec, there are as many women as men that are members of union, so a lot of those women workers also have caregiving responsibilities, which changes how they think about the world. And this goes to a kind of a broader issue, too, of how diverse the workforce is becoming, and that it's important to take into account both
work identities and non-work identities when we mobilize people and get them into to take collective action. And now my friends from Quebec will understand why I've decided to do this in English, because we all know these things. But once again, since 2004 in Quebec, the right to a work environment free from psychological harassment was recognized in the Labor Standards Act. And though there is one right for unionized and non-unionized workers, the recourse is going to be quite different. Why? Because these all the provisions on psychological harassment were incorporated into every collective agreement in Quebec. So non-unionized workers, why is that gone French? Non-unionized workers can lay a complaint at the Commission des Normes du Travail, at the Labor Standards Commission. There's going to be an inquiry, a mediation, and eventually the complaint, if it's thought to be founded, will be referred on to the Labor Relations Board, who will decide it. So since the legislation has come into effect, there have been more than 2,000 complaints a year filed. And this is an expensive business. Processing a psychological harassment complaint costs more than any other type of complaint, including complaints for dismissal. The inquiries, the commission had to change its administrative objective of 90 days for processing a complaint to 120 days for psychological harassment. So there's a separate framework. Hearings of psychological harassment complaints are longer than for any other type of complaint. And for the Labor Relations Board to be able to hear all the litigation coming out of the new right, the recognition of this right, their budget was increased by over $1 million. There are also extensive resources invested in mediation and conciliation. So I'm kind of giving you some broad indications just to say for non-unionized workers, processing psychological harassment complaints has been a resource-consuming, time-consuming, complicated process. In terms of unionized workers, so 40% of the workforce, as I said before, the provisions are deemed to be a part of every collective agreement, so exclusive resource is going to be grievance arbitration. Just to remind you, when we talked about the union's duty of fair representation, what does that mean? That means that unions have a duty to represent their members with respect to psychological harassment. And we can guess that there have been at least, if not more, complaints of psychological harassment in unionized workplaces. And this means that the counterpart of the fact that everybody's going to have automatic dues check off to the union is the union's duty of fair representation. And here there have been some changes to the Quebec legal framework at the same time as the psychological harassment legislation. So before 2004, just going to see if I have. Before 2004, unions had a duty to represent, to not act in bad faith or in an arbitrary or discriminatory manner or show a serious negligence in respect to a violation of the collective agreement. But a complaint was only possible in case of dismissal or in case of a disciplinary measure. So in 2004, there were two changes. First of all, specific language was introduced into the Labor Code about the duty to represent a member who believes he or she has been psychologically harassed. And at the same time, whereas before a complaint against the union was only possible in case of dismissal or disciplinary action, now unionized members can lay a complaint against their union with respect to any violation of the collective agreement. So we have these two things going on at the same time, which makes it a little bit difficult to separate out what comes from what, but basically an expansion of the recourse to do with unions' duty of fair representation. Later on, that's why I did this to remind me to say this to you. Later on, in quotes from union reps, they're going to talk about a 47.2. So that refers to the section of the Labor Code. So that's what they mean. We're talking about a complaint for failure to represent when we say a 47.2. In terms of methods, this is actually a spin-off of my doctoral research project, which was classic legal research combined with field work interviews I did with 22 union reps, with union partners, the FTQ, including the CFP, QP Quebec, as well as the CSQ.
I've packaged this, I have to confess to you, very much as a scientific endeavor. However, the subtitle could be a series of disconcerting observations made along the way as I did my PhD basically on how unions manage psychological harassment complaints. And in order to structure these kind of disquieting thoughts that I was having, I've used a theoretical framework about union action where you have a model of collective union action and there's a continuum through a kind of intermediary model going to an individualistic model. So a collective model of unions, a participatory, democratic, unions participate in determining working conditions, and then an individual model, which is basically where we see the union as a legal aid service or a kind of insurance. To illustrate, Deakin talked about unions as co-legislators of working conditions. This is obviously an example of a collective model and a displacement towards unions' role as being defensors of individual employment rights for workers, so going towards a more individual model. Maintenant, au plan des résultats, que j'espère être la partie la plus intéressante, en tout cas pour moi. Un examen de la jurisprudence révèle vraiment qu'il y a eu une surenchère des exigences envers les syndicats lorsque les salariés déposent des plaintes pour manquement au devoir de représentation en matière de harcèlement psychologique. On va parler d'une importance accrue pour le devoir de représentation. On va parler d'un régime de protection exigeant qui impose aux syndicats d'être actifs et vigilants. Et de plus, vous comprenez que s'il y a deux membres d'une même unité de négociation qui se trouvent sur les deux bords opposés d'une plainte en matière de harcèlement, à ce moment-là, le syndicat a un double devoir de représentation et doit avoir un devoir de prudence et d'objectivité encore plus considérable. Il y a une décision de la Cour d'appel dans l'affaire Valiant qui m'a particulièrement frappée quand on pense aux différents modèles d'action syndicale. Dans cette affaire, le syndicat avait élaboré et fait adopter une politique syndicale contre la violence et le harcèlement au travail. Alors, la cause en question, c'est une salariée objet d'action disciplinaire qui a porté plainte contre son syndicat, qui a décidé de cesser de la représenter après avoir conduit une enquête sérieuse, extensive, qui montrait que les faits allégués par l'employeur étaient véridiques et qu'elle s'était mal comportée envers une autre membre de l'unité de négociation. Alors, quelle est la réaction de la Cour d'appel? Le syndicat agit dans la recherche d'un objectif louable, soit de faire obstacle au harcèlement psychologique de manière à favoriser l'harmonie au travail parmi ses membres, mais, et en ce cas-ci, le harcèlement ne résulte pas d'une décision patronale, mais bien d'un harcèlement entre les membres. Quel doit être le rôle du syndicat? Alors, le syndicat, après enquête, détermine non, on va défendre la membre qui a été harcelée. La Cour d'appel va dire que le syndicat a oublié son rôle traditionnel, je dirais même son rôle premier de défense d'une de ses membres visée par une sanction patronale. Alors, c'est quoi? Ça veut dire que les tribunaux vont venir imposer un modèle d'action davantage individuel à l'action syndicale. Le syndicat n'a pas le droit d'avoir ses propres valeurs, d'aller de l'avant avec sa propre vision du milieu de travail. Ce qu'on reproche au syndicat, c'est de s'être posé la question, est-ce que la salariée sanctionnée s'était livrée à des gestes de harcèlement? Alors que la question aurait dû être, est-ce que l'employeur est en mesure de prouver qu'elle l'ait faite? Donc, une approche très, très légaliste. Ça rappelle un petit peu les caisses de secours mutuelles au début du syndicalisme. Le syndicat est une espèce d'assureur juridique. Dans le temps, c'était la maladie. Aujourd'hui, c'est en cas de sanction disciplinaire. Il faut interpréter ces résultats dans le contexte où, comme vous le savez fort bien, il y a un cadre juridique très faible pour la prévention du harcèlement psychologique. On a décidé d'insérer ce droit dans la loi sur les normes et non pas dans la loi sur la santé et la sécurité du travail. Donc, un régime de réparation davantage qu'un régime de prévention. Anne Marchand a parlé ce matin du rôle en comment les coûts de l'indemnisation vont créer une incitation à la prévention. Or, pour le harcèlement psychologique, très difficile de faire accepter une plainte ou un grief. Donc, les coûts de l'indemnisation n'incitent pas non plus à la prévention du harcèlement psychologique. Bref, il y a très peu d'outils juridiques qui vont faciliter l'action syndicale pour agir sur les facteurs de risque qui viennent de l'organisation du travail.
Donc, une obligation de représenter en cas de harcèlement, mais peu de moyens de prévenir le harcèlement à la source. Alors, qu'on dit les représentantes et représentants syndicaux, là, il y a une série de citations en français et en anglais pour que francophones et anglophones puissent partager l'irritation alors que je continue à vous parler alors que vous voulez lire les citations. Mais déjà, surtout dans le secteur de l'éducation, qu'est-ce qu'on m'a dit quand j'ai interrogé ces personnes? La perception, c'est que le syndicat est là pour défendre les pas bons. De plus, en cas de plainte d'harcèlement impliquant deux membres, on va dire le syndicat a mis, dans un exemple, ça c'est col bleu, milieu masculin, le syndicat a mis tout le cash qu'il pouvait pour défendre deux hommes qui étaient très abusifs envers les collègues et finalement ils ont été réintégrés par un arbitre de grief qui a substitué une suspension, ils sont revenus au travail et dans les termes du représentant syndical, beaucoup de méfiance sur le plancher, les gars ont été drôlement déçus. Même chose dans un milieu avec les femmes. Pourquoi vous la défendez? C'est elle la méchante, vous la défendez avec nos sous. De plus, en filigrane ou directement, les personnes que j'ai interviewées parlaient du 47-2, le spectre d'une plainte en 47-2, donc ce recours pour manquement au devoir de représentation. En tout cas, ce spectre jetait de l'ombre sur leurs actions. Et ce, peu importe que la plainte soit acceptée ou non contre le syndicat. Je posais la question, avez-vous peur de pas être réélu? Puis on me répondait non, on les gagne. C'est juste que les représentants restaient avec une espèce de malaise face à l'idée que le syndicat soit poursuivi par les membres. Quel impact? Entre autres, il y a un impact sur la relève syndicale. À plusieurs reprises, on m'a dit, mais qui veut faire la job? Qui veut venir faire du bénévolat alors que tu risques d'être poursuivi? Donc, on me raconte qu'il n'y a plus personne pour remplacer le délégué syndical attitré au dossier de harcèlement psychologique. Et dans une autre situation, un autre milieu de travail, un hôpital, on dit, mais tout le monde en a parlé de la plainte contre le syndicat, puis j'ai ouvert un poste, personne a postulé pour venir être délégué syndical dans ce contexte-là. Parole très sage d'une personne interviewée, lui dit, qui profite de tout ça? Bien, c'est l'employeur. Alors, si on regarde les plaintes pour manquement au devoir de représentation, qu'est-ce que, de façon large et très rapidement, on regarde, il y a une judiciarisation des rapports du syndicat avec les membres. On va dire, à cette heure, je prends tout en note. À cette heure, il faut qu'on se protège. De la même façon, les plaintes contre le syndicat, peu importe qu'elles soient accueillies ou non, créer une atteinte au pouvoir symbolique du syndicat, la simple insinuation que le syndicat a été intéressé dans son action plutôt que désintéressé. De la même façon, quand il y a un conflit d'intérêts, pour reprendre les paroles de la Cour d'appel dans Vallière, alors que les personnes que j'ai interviewées ont pris toutes sortes de moyens pour être justes, pour être équitables, ont improvisé des stratégies, des structures au sein du syndicat pour bien représenter les deux membres en conflit, n'empêche qu'ils restent avec des doutes à leurs propres yeux concernant la démarche du syndicat et aux yeux des membres aussi, parce qu'on dit tout le monde se pose la question, est-ce qu'un tel n'a pas été mieux représenté? Ah ben, elle a eu la personne plus expérimentée de l'exécutif et ainsi de suite. Donc, les implications, j'ai bien appris de Catherine, il faut faire une dernière slide avec le take-home message. finalement, c'est plus une réflexion à laquelle je vous convie. Évidemment, si les syndicats, sans pouvoir véritable sur la prévention du harcèlement psychologique autre que par leur propre pouvoir de négociation, doivent exécuter un mandat qui, pour les non-syndiqués, engloutit beaucoup de ressources publiques et à juste titre, est-ce qu'il ne faudrait pas que les syndicats aient accès à des ressources publiques pour mener à bien leur mandat en termes de assistance
maintenir les milieux de travail. Évidemment, il y a la question de l'implication syndicale dans un cadre de gestion des facteurs de risque pour le harcèlement psychologique qui nous amène tout droit à des questions d'organisation du travail. Ça serait que équitable dans les circonstances, vu que les syndicats sont contraints, en quelque sorte, à ramasser les dégâts causés par le harcèlement psychologique sans pouvoir, en ce moment, intervenir efficacement, à tout le moins pas avec l'aide du cadre juridique pour prévenir le harcèlement à la source. Et dans un dernier temps, et c'est là la réflexion principale, c'est sûr que, comme juriste, je peux constater que le cadre juridique actuel amène les syndicats à consacrer beaucoup de ressources de façon assez intensive dans la gestion des plaintes pour harcèlement psychologique. À la conférence d'ouverture, Donald Lafleur disait « les employeurs ont du temps, les syndiqués travaillent de longues heures, ils n'ont plus le temps pour le militantisme ». J'ajouterais à ce portrait le fait que les représentants syndicaux, eux, n'ont pas de temps non plus. Ils sont très, très occupés avec les plaintes pour harcèlement psychologique. Alors, dans ce contexte, en conclusion, il ne faudrait pas pour autant que les syndicats négligent de considérer un agenda politique qui implique à la fois la défense des droits individuels et aussi des actions davantage de nature collective. Merci.